J'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je pense que vous avez déjà vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui j'essaye de passer du temps seule et faire des trucs parce qu'en fait ce qui me fait chier c'est qu'à chaque fois que je suis toute seule, je vais mettre dans mon lit, je vais scroller sur TikTok et mes réseaux sociaux ou à la limite regarder une série, mais ça si je suis en forme. Et ça me fait chier parce que, enfin je dis pas que c'est pas bien, genre je le fais tout le temps, mais c'est chiant, genre j'aimerais bien faire des trucs parce qu'après enfin, je me dis oh j'ai rien fait, machin, bidule, bah ouais mais c'est parce que je sors pas. J'essaye d'apprécier de plus en plus de passer du temps seule parce que c'est grave important et ça fait du bien. Donc là, je vais passer ma petite matinée, j'attends que ma nourriture chauffe. Je me suis pris des empanadas de Picard, c'est un régal, vraiment ils sont magique. Et du coup, je pense que je vais aller sur Paris. Je me tuerai si je n'ai pas la motivation. Parce que j'ai vu qu'il y a une espèce de galerie d'art, café, librairie. Du coup, je me suis dit que je pourrais me poser là-bas en lisant mon bouquin, en prenant un café. Faire des trucs, sortir, essayer de passer du temps avec moi-même. Apprécier ma propre compagnie, comme on dit. Et puis voilà, pas être sur mon téléphone, envoyer des messages aux gens, machin, bidule. Également, enfin, je touche du bois. Mais la peau est pas mal. Je suis un peu dans ma flopera en ce moment. On va essayer d'en revenir. Je suis si peu motivée de sortir. J'ai la flemme absolue. Et je suis dans un mood affreux. Oh là là, ce vent. Il n'y avait plus de place dans le café. Et du coup, je me suis dans un petit parc. C'est sympa, il fait pas trop froid pour l'instant. Cette frange, c'est fou ça. Et on se retrouve pour un haul parce que j'ai acheté des trucs parce que je sais pas me retenir. Mais ça fait longtemps que j'avais pas acheté de trucs. Donc voilà. Alors, la plupart des trucs viennent de chez Brandy Melville. Cette boutique, je l'aime parce que j'aime bien les vêtements, mais je la déteste profondément parce que j'ai l'impression que c'est un flashback du collège avec des filles trop belles et trop minces. Genre vraiment, sans rire, je stresse quand j'y vais. J'ai la boule au ventre. Voilà. Donc, on a pas du tout un achat, c'est vraiment le livre que je lisais. J'ai acheté des chaussettes cœur. C'est pas trop mignon. Moi, je trouve ça adorable. Tout ça, c'est des trucs que je voulais acheter depuis longtemps. Ensuite, j'ai acheté toujours un thème. Je sais pas pourquoi j'ai un truc avec les cœurs en ce moment. Une petite chaîne avec un pendentif cœur argenté parce que je porte que de l'argenté et c'est compliqué de trouver de l'argenté parce que c'est la mode de l'or, ce qui n'est pas ce que je porte. Donc voilà, un petit pendentif parce que je manque de bijoux. Si vous connaissez des boutiques de bijoux sympas, je prends. Et le plat de résistance comme on dit, j'ai acheté un, c'est pas le meilleur pour la fin, vous verrez le meilleur pour la fin. J'ai acheté un pull et il est doux, il est confort, il est bleu marine, ça se voit pas, mais voilà, un petit pull sans patoche et le meilleur pour la fin du coup. Que j'ai acheté dans la petite bibliothèque. J'ai acheté des cartes pour mettre accrochées dans ma chambre, donc j'ai celle-là et the best of the best. Moi je les trouve super kiki, je trouve qu'ils sont super beaux, j'ai hâte de les accrocher, voilà, pour ce petit haul. Mais ouais, c'était vraiment sympa parce que se balader dans Paris quand il fait beau comme ça, c'est super agréable. Il fait pas trop froid, du coup t'es bien dans ta doudoune, tu te balades, c'est cool. Genre je pense que tu fais beaucoup plus attention aux gens et à ton environnement qui t'entoure, ce que je fais avec ma main, que quand t'es seule, que quand t'es entourée, ce qui est logique bien sûr. Mais franchement c'est agréable, c'est ressourçant. Je suis contente de m'être bouché le cul. J'ai soif maintenant, donc je vais boire. Je vais ranger un peu ma chambre et accrocher mes petites affiches. Du coup je vous montre, regardez le petit collier.
super mini et le pull. Parfait. Ok, maintenant que le bureau est rangé, il faut que je décide où est-ce que je vais pouvoir déplacer, parce que en gros, de base j'avais mis des petits trucs là, sauf qu'il y a une étagère qui a été construite entre temps. Du coup, il faudrait que je les déplace là et peut-être en mettre quelques-unes au-dessus de mon lit pour que ça fasse joli, je sais pas. Qu'est-ce qu'on en pense? Pas mal, non? Moi, j'aime bien. Maintenant, je vais essayer d'en mettre peut-être 3-4 là, mais pas plus, je pense. Je vois vraiment les choses de travers. Ah si, c'est droit. Et du coup, ici, j'ai mis ça comme ça. Ça va peut-être... Ouais. Oula, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Je vais les mettre plutôt là, je pense que c'est mieux. Ah, et là, c'est beaucoup mieux. Super mignon. Ce serait pas la fin de cette vidéo, je crois que si. Vraiment, vidéo très courte, je sais pas si ça vous a plu parce que c'était pas hyper intéressant, mais voilà. Passer du temps seul, ça fait du bien, même juste sortir, marcher, tout ça. Ça fait du bien de sortir. Là, ça m'a fatiguée, je vais me mettre au lit. C'est un moustique. Il y avait un moustique en novembre. Je vous fais des bisous et à la prochaine.